1956, un projet franco-allemand prévoit la création d'un char moyen de 30 tonnes. Armé d'un canon anti-char capable de perforer les blindages de 2000 à 2500 mètres, en utilisant l'obugé. En 1958, l'Italie se joint au projet. La conception de l'AMX-30 rompt avec le concept du char de bataille lourdement blindé. Le choix d'un tonnage limité à 30 tonnes implique de sacrifier la protection, mais propose une silhouette furtive et une mobilité accrue. Ce choix, très controversé, se basait sur le fait que le développement des projectiles comme les missiles rendait obsolète tout blindage, quelle que soit son épaisseur. L'AMX-30 est le plus léger des chars de l'OTAN de première génération. La caisse est composée de plaques d'acier soudées, alors que la tourelle coulée d'une pièce est un modèle au niveau de la protection balistique. Le premier prototype de l'AMX-30 sorti en 1961 avec un moteur Sofam 12GS de 750 chevaux. Un deuxième concept fut construit en 1962. Ensuite, 7 chars d'expérimentation en 1962. Fin 1963, à la suite de l'échec d'un commun accord, chaque pays décide de construire son propre char. En 1965, les premiers exemplaires sont expérimentés en France. Pour succéder rapidement à la AMX-30A, la version B, qui sera la version de série en service à partir de 1967. La tourelle est équipée du Tourello panoramique Top 7. Le moteur Sofam est remplacé par un diesel polycarburant Hispano-Suiza HS-110. Son armement principal est un canon GIAT CN-105 F1 à âme rayée d'un calibre de 105 mm. Opéré par le tireur ou le chef de char qui possède une commande prioritaire, et la télémétrie optique est opérée par le chef de char qui définit la cible, calcule la distance et transmet les informations au tireur. Le canon est équipé d'un manchon anti-arcure. L'armement secondaire est composé d'une mitrailleuse coaxiale de 12,7 mm qui sera remplacée au cours de production par un canon automatique de 20 mm. Celui-ci a pour particularité de pouvoir être surpointé en site indépendamment de l'arme principale pour la défense anti-aérienne, et aussi d'une mitrailleuse de 7,62 mm couplée à un projecteur fixé sur tourello et commandé de l'intérieur par le chef de char. Un système de vision infrarouge monté sur la tourelle permet de combat de nuit. Il peut être équipé d'un snorkel pour franchir les voies d'eau jusqu'à 4 mètres de profondeur. La transmission est longtemps restée le point faible de l'AMX-30 et les problèmes n'ont été résolus qu'à partir des années 80.
la modernisation du char AMX-B, mise en service en 1966, est devenue une nécessité à la fin des années 70, compte tenu des évolutions technologiques dont ont bénéficié les chars de combat, en particulier dans le domaine des conduites de tir avec télémètre à laser, calculateur électronique et télévision à bas niveau de lumière. La motorisation a également fait d'importants progrès, d'autant que la mécanique de l'AMX-30 et plus particulièrement la transmission n'avait jamais donné entière satisfaction. Le programme de remise à niveau de l'AMX-30 fut adopté au milieu de 1979. Les premiers exemplaires produits subirent un programme de vieillissement accéléré afin de déceler d'éventuelles maladies de jeunesse. Les premiers AMX-30 B2 de série furent disponibles en janvier 1982. Environ 1000 chars AMX B2 devaient être réalisés, 750 sur la base des chars existants, et matériel neuf pour le quart restant. L'AMX-30 a une garde au sol de 0,44 m. Il peut grimper une pente maximale de 60% et un dévers maximal de 30%. Il peut surmonter un obstacle de 0,93 m et franchir une tranchée de 2,90 m. Il peut traverser des obstacles de 1,3 m d'eau sans préparation jusqu'à 2 m avec une préparation mineure et jusqu'à 4 m avec une préparation complète. Dans les années 1990, l'AMX-30 a également été utilisé comme un banc d'essai pour plusieurs technologies furtives, y compris le refroidissement par air des surfaces de la caisse et l'utilisation de camouflage visuel.
prototype est connu sous le nom de démonstrateur furtif à chenilles. Sa caisse et sa tourelle sont entièrement couverts par une superstructure construite de plaques inclinées en matériaux absorbants radar. Divers systèmes d'armes et de communication peuvent être adaptés à ce char, tel le brouilleur de missiles EIREL, développé à l'origine par l'AMX-30-10RC. Le programme devait se terminer en 1993. À partir de 1991, l'évolution de la situation géopolitique a entraîné de nombreuses restrictions budgétaires et l'annulation de la dernière tranche de 92 chars. L'AMX-30 sera utilisé jusqu'en 2018 et il sera adopté par plus de 10 pays dans le monde. Il participa d'ailleurs à la guerre du Golfe en 1991.